couille! Ma colère! Vite! Hey, tout! Le profilage géographie et la cartographie criminelle, ce sont des outils complémentaires pour les enquêtes. Et parfois, c'est un peu apporter une nouvelle piste dans des enquêtes qui piétinent, où les méthodes classiques d'investigation n'ont pas pu apporter des résultats satisfaisants. Certains services de la police fédérale sont venus nous trouver avec d'abord un cas bien spécifique qu'ils ne parvenaient pas à résoudre, et puis un peu plus tard un deuxième. Et de là est née dans notre service l'idée qu'une thèse de doctorat dans ce sujet pouvait vraiment être intéressante, puisque notamment en Belgique, il n'y avait encore rien qui avait été fait dans ce domaine-là. Durant une enquête criminelle, l'objectif du profilage géographique, c'est de déterminer une zone dans laquelle rechercher un agresseur. Or, sur les données disponibles en Belgique, on s'est rendu compte que les méthodes classiques de profilage géographique, notamment développées aux États-Unis, ne s'adaptaient pas bien au territoire belge et ne permettaient pas, dans beaucoup de cas, de fournir une solution valable. Et donc, l'objectif de la thèse a été de développer de nouvelles méthodes cartographiques pour analyser ces cas spécifiques et délimiter une zone efficace. Je m'intéresse plus spécifiquement aux aspects spatio-temporels du profilage géographique, c'est-à-dire coupler l'information spatiale à l'information temporelle qui est liée. Et ça joue notamment sur, par exemple, la compréhension de l'attractivité des lieux, qui est très différente en fonction de la dimension temporelle qu'on prend en compte. Un exemple, un supermarché est un lieu très attractif en journée pendant ses heures d'ouverture, mais ne l'est pas du tout pendant la nuit où le supermarché est bien sûr fermé. On va s'intéresser aux caractéristiques spécifiques du cas qui nous est soumis, parce que ces caractéristiques spécifiques vont pouvoir apporter peut-être des idées de nouvelles méthodologies spatiales à mettre en œuvre. On utilise la localisation des différents sites de crime. À partir de chacun des sites de crime, on crée une image qui se base sur les distances à ce site. Et ensuite, en fonction de l'hypothèse de comportement spatial de l'agresseur, on va combiner ces différentes images afin d'obtenir une zone prioritaire de recherche. La cartographie criminelle peut vraiment être une débouchée, parce que les services policiers se rendent de plus en plus compte de l'utilité de la cartographie criminelle et donc sont de plus en plus intéressés par développer ce type d'outils. Il y a déjà quelques géographes qui travaillent à la police fédérale dans différents services. Et je pense qu'à l'avenir, on pourra de plus en plus employer des géographes pour ce type d'analyse dans les services policiers.